C'était donc le concert musique de chambre de la saison musicale de l'école de musique qui vous a été donné par les professeurs de l'école, par l'ensemble des professeurs. Tous les professeurs ont participé à ce concert. Et donc c'est l'aboutissement d'un travail d'une année avec les profs pour monter un concert, parce que c'est très important aussi que les professeurs se montrent à la population et à leurs élèves comme des artistes interprètes et pas que des pédagogues enseignants toute l'année qu'on vient voir en cours. Pour moi, c'est très important de les mettre en valeur quand je peux et de proposer des concerts où ils sont musiciens, solistes, investis et ils prennent un vrai plaisir. Et évidemment, on ne peut pas le faire régulièrement parce que c'est beaucoup de travail et ça demanderait beaucoup d'investissement en plus du travail des cours et tout. Mais ça a été une volonté il y a quelques années de demander à mes élus et à monsieur le maire de dire moi j'aimerais pouvoir proposer à nos parents d'élèves et à la ville de Valogne que les professeurs puissent être entendus comme artistes. Et donc ce soir c'était cet aboutissement. Je voudrais me souvenir il y a 10 ans, lorsque Philippe Chebroux a franchi pour la première fois la porte de mon bureau. Et je bénis le ciel que j'ai pu le rencontrer, que nos chemins se soient croisés il y a une dizaine d'années maintenant. Et voilà, je m'en réjouis à chaque fois qu'il y a un concert, à la fois des professeurs mais de l'école de musique. Et nous avons eu au mois d'octobre un magnifique spectacle sur 14-18, c'était vraiment une très très belle réussite. Et encore une fois, ça a été vraiment un grand plaisir de croiser son chemin. Pour rebondir sur les propos de monsieur le maire, effectivement, on a eu beaucoup de demandes après cette prestation sur la création de 14-18 que nous avons eu le bonheur de faire à Valogne. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé l'école, qui ont envoyé des mails, qui ont demandé « mais vous leur redonnez quand et où ?» Vu ce que ça a représenté, c'était impossible humainement et techniquement de leur donner, ou alors fallait le faire dès le lendemain et tout, enfin voilà. Donc ça n'aura été donné, comme je l'ai annoncé, en première à Valogne, et ça a été cette création. Mais par contre, ce qu'on peut annoncer aux gens, c'est qu'à partir de maintenant, il va être en ligne, puisqu'on nous avons fait un magnifique DVD avec les images de Marine qui sont magnifiques. Et ce DVD va être en ligne dès la semaine prochaine sur le portail de la ville de Valogne, où les gens pourront le voir en intégralité, y compris sur le portail de la chaîne TV, qui est notre partenaire depuis un an avec l'école de musique et sur ce projet. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt sur tevie.tv.